Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonsoir, amis mio. Bienvenue sur la chaîne Panouante. C'est EEP Power. Je dis, moi, je vous montre comment on est capable de faire pompe à dessouder ou bien à ressouder pour nous capable de réparer téléphone ou bien pour nous capable de dessouder des composants SMD. Ok. Ou bien là, nous capable de monter le nom de mon composant qui passe directement sur surface en bord là. Ok. Composant qui passe directement sur bord de comme ça pour nous capable de dessouder ou bien dessouder. Jack charge téléphone pour nous faire sans problème. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Moi, j'ai utilisé les moyens du bord. Ça veut dire que c'est tout ça que j'ai utilisé là. Ce n'est pas rien qui m'a acheté. Donc, c'est tout ce que j'ai pris en bord. Ça a sorti dans un séchoir. Ok, ça c'est un séchoir que j'ai déjà pris qui était écrasé. Donc, j'ai déjà pris quoi là? On va l'utiliser. Ça c'est ISO. J'ai pris un bord qui est un bord de contrôle pour Blender. Donc, qui a un triacle là-dedans, ok? Qui a un triacle, qui a un condensateur, résistance. Donc, il y a quelques résistances que je besoin là. Après, ça a besoin de triacle là, très important. Ok? Ma besoin pour prendre triacle là. Ma besoin de petit board en poudre ça, pour capable prendre petit triacle ça. Petit triacle ça, ok? Parce que c'est petit triacle ça qui est très important tout. Parce que je n'ai pas besoin de MOC pour me mettre ensemble avec lui. Ok? Donc, je vais utiliser le capable prendre. Après ça, m'a utilisé board ça tout capable prendre des petits condensateurs que m'a besoin pour m'accompagner avec triacle là capable faire pour capable faire réglage pour tension. Après ça, m'a besoin un potentiomètre, m'a supposé je joindre 500 kg mais m'a pas joindre 500 m'a utilisé ça qui c'est un 250 kg, OK, nous capable utiliser. D'accord. J'aime déjà dire, après ça, on va utiliser petit tol, ça va me capable faire sec là. Ok? Ça, il y a un autre isolant en dedans. C'est isolant ça que je vais utiliser. Ça, c'est isolant thermique. Donc, c'est ce que je vais utiliser pour me capable faire forme, pour mouler fil là. Pour mouler fil résistance là. Même si ça a roulé sur isolant thermique là. C'est avec ça que je vais faire forme pour me capable rouler le même genre. Ok? Donc, ça a un isolant dans tout. Donc, je vais prendre l'isolant, ça va être capable d'utiliser pour mettre dans l'autre là pour que il ne fasse pas contact avec le métal. Pour que le fil résistant ne fasse pas contact avec le métal. D'accord? Ok. Moi, avant de dire tout ça que je fais sur ce channel là, je vais toujours faire effort pour faire cadeau. Eh bien, je vais faire cadeau. Il y a un salaire qui va faire. Donc, ou même qui t'a voulu gagner, fais le même processus que je vais faire pour pomper. Pour pompe de l'eau. Donc, juste regarder la vidéo que je fais pour pompe de côté, je fais cadeau pompe de l'eau. Alors, dans la vidéo réparation, je vais magnum là. Donc, juste regarder la vidéo ça et puis vous connaître qui ça que vous faites pour capable gagner pompe là. Pour capable gagner hit gun là. D'accord? Ok. Ou même qui pas beaucoup de misère pour traquer, regardez la vidéo jusqu'à la fin pour capable gagner tout bagaille. Kounya, nous allons démonter pièces, nous allons démonter composants. Yo. Donc tout ça, c'est composants que m'a démonté sous bord là, c'est pas composants que m'a acheté, m'a pas acheté un. Yo. Après ça, tout n'a besoin d'un petit fen, ok? Parce que c'est petit fen là qui pour faire vapeur passer pour la joindre bord là, ok? Ça c'est un bord d'ampoule qui était écrasé déjà, donc c'est avantage ça. Même si vous avez un bord d'ampoule qui part bon la carreau, ça ces pièces ça va qu'on boule facile là dedans. Donc on est capable de joindre et puis vous utiliser sans problème, d'accord? OK, on va déposer ça. On a démonté triac ça. Ok, nous finissons de tirer triac la kounya. Ok, kounya, qui ça nous va le faire? Ça, c'est nous va le faire servir un tuyau. Si tol ça nous va le faire servir un tuyau presque comme ça, mais pour le capable battre un petit crasse petit, ça a plus gros. Donc m'a fait un petit crochet, m'a fait un petit crochet dans ça.
OK, me fin faire quoi que ça, quand ça me va faire l'autre bois, quand ça tout et puis après pour capable faire yo, pour capable faire yo rentrer dans l'autre après pour frapper pour yo fermer, d'accord? Quand on m'a fermer le comme ça pour une capable al bois ensemble avec l'autre, OK? D'accord? M'a rentrer là dedans ça, me capable faire petit frapper. Bien jointé ta côté côté gain vide ça là m'a fait bien entrer, OK, m'a fait bien jointé pour capable bien chita pour une ta bien pour bien jointé pour pas bailler passer, d'accord. M'a fait le hors caméra pour pas trop pour pas vidéo pas trop longue, d'accord. OK, là me fin faire bien entrer, m'a pas entrer dans tuyau, hein? OK, m'a pas entrer dans tuyau, il m'a bon j'en cargé ça toujours. OK, pour qu'a bien chita. OK. On a dès que au fin bien chita, m'a ployé, OK? M'a ployé l'un sur l'autre. OK, dès qu'elle fin bien chita, on frappe le comme ça. OK. Regardez, il est bien fermé, bien soi, OK. Donc là, je fin fermer le comme ça, OK. Là, je fin fermer le comme ça. Quand il m'a quitté le genre penché, penché comme ça, et m'a frappé ça, OK. Donc ça, c'est pour prendre forme dans rond, pour venir bien rond normal, d'accord. OK, quand il a fin fait tuyau bien rond comme ça, OK. On fin faire bien rond, on a mettre le chita sous ça, on capable tracer. Pour me prendre un petit morceau de tôle pour lui, d'accord. Là j'ai bouche là et puis qu'on a pas le passer petit antenne ça là dedans pour capable sortir l'air dehors, d'accord. M'a couper antenne là, m'a couper là avec un scie à métaux parce que m'a pas couper là avec pince ni ciseaux, c'est à métaux ça pour moi. Je vais couper avec pince ni ciseaux. Mais non, Léa. Je vais couper avec pince ni ciseaux pour ne pas craser. D'accord? OK, je finis ici là. Pour que je puisse passer un petit tour dans ça. Pour que je puisse faire le passer. D'accord? Je vais faire ça des petits fans pour que je puisse serrer. Je vais faire un fan comme ça. Je vais quitter un 4 ans là. Kabal arrête, OK. OK, après n'a pas entré là comme ça. Kounya là nous va le fan ça comme ça tout, nous va le presque faire même bagaille là, n'a pas un petit fan ça. OK, là nous fin fond ni comme ça, n'a pas entré, n'a couché quelques pieds. N'a couché quelques pieds. N'a sauté, n'a couché, n'a sauté, n'a couché. OK, là nous fin bien mettre au chita comme ça, n'a prend ça, n'a descend ni dans mi-temps, d'accord? On descend la mitan comme ça. On va assurer nous qu'elle bien chita. OK. Voilà, là moi fini. Moi fini avec partie tuyau, OK? Moi fini avec partie ça. Donc on a qui ça nous va le faire, nous va le travail pour partie pour nous capable mettre résistance là en dedans. OK? On a qui ça n'a fait, on va pas aller trop rapide, lentement. Qui ça n'a fait, n'a pas mes ça, n'a pas mes ya,
OK. Donc salban moi même pas prendre mesi ça exact. M'a prendre environ 1 3/4. M'a prendre environ 1 cm 3/4, d'accord? Et puis là, m'a prendre un bel espace pour cap bambiler en dedans sans problème. OK. On coupe ça là. Moi l'autre là t'as pas un petit genre 3, un petit genre 3 3 gis parce que il va pas large. Donc moi prends ça de préférence, d'accord? Faut que nous fassions précaution de la couper parce qu'elle est capable de tout craser dans la main. Faut que nous fassions précaution pour ne pas craser. Quand on a fait ça, on a coupé le mi-temps dans tous les deux. Ok, on a fait une petite trace dans le mi-temps légèrement. Pour être capable de croiser, pour être capable de venir carré, pour être capable de venir paraître comme si tout, hein, d'accord? On a fait l'autre bois même genre. OK, pour qu'on rentre là comme ça. OK, qu'on a rentré comme ça. OK, qu'on a coupé deux petits carrés pour me capable faire un petit arête ou bien encore pour capable supporter isolant thermique là parce que le pas bien assez force sans ça. OK, on a fait deux petits carrés. OK, des petits carrés ça me prend sous même mesi que me te prend, OK? On fait le carré carré. Quand on a ça que m'a fait, m'a coupé ça comme ça, m'a quitté un petit parti dans mi-temps. M'a coupé tout ce côté yo. OK, comme ça. M'a fait ça font petit bol comme ça. OK, voilà, mes articles tout la vignée. Donc on y a seulement placé le sous ça. OK, on a seulement placé convenablement. OK. Mais j'étais comme ça. M'a fermé. OK. Donc on a pas entré parti ça. Après fermer ça encore. Idem pour boire ça. OK, on va voir qu'on a plus ou moins de jam, OK? On a fait l'autre bois même genre, d'accord? OK. Après là, moi fin préparer tous les débords. OK. Well, qu'on y a plus ou moins gonti support. Donc, ça c'est vraiment important parce que sous pas faire, il pas de jambe, il pas kakembe bobine là tout, d'accord? Donc, qu'on y a ça nous pas faire après tirer une partie dans ça. Moi
pas gain formule comment pour faire ça exactement, mais quoi qu'il en soit, ça c'est ce choix qui était sans disqualité. Donc nous pas aucun problème pour nous utiliser, la toujours ba nous même résultat. OK, nous pas besoin peur, la fonctionner normal, d'accord. Et ça que fait m'a conseillé nous tout prendre un ce choix de quoi pour nous capable toujours prendre ça qui bon, d'accord. Donc tout ça, c'est dans ce choix qui est sorti. OK. OK. Dans ce choix, la partie qui est plus longue, c'est l'in apprend parce que c'est lui qui pour 110 là. OK. On va partir ça plus longue. OK. C'est partie ça, c'est l'in apprend. Well, donc ça a bay 110 la normal, d'accord? OK. On va bien faire. Pas lâché. OK. Moi mettre tester sur ça pour capable garder combien ohm qu'il y a. OK, n'a mettre tester là. Et puis n'a garder là. Ou après nous jouons 27, ok, 21.9 ohms, ok. Donc on a qui ça qui me va le faire, m'a essayé, on capable de voir à quel niveau qu'il a chauffé, parce que je suppose jouer minimum, je suppose jouer, 120 degrés, 150 jusqu'à 600 degrés Celsius. Ok, m'a mettre là et puis nous allons mettre test de température en soleil pour nous capable boire à quel niveau la chauffer. Ok, moi connecté là, mon connecté là, m'a obligé de longer parce que faut que soit une pas toucher à l'autre, mettre une faut que soit une bateau, faut pas coller dans mitan pour bagain pour circuit. OK, donc on va plugger ça dans courant, on va plugger ça. Regardez à combien de degrés Celsius test là, hein. OK, débloquer. OK. La règle est balancée à 300, arrivé à 400 combien. Donc il n'y a pas de problème. OK. Quand y a là, on a fait un petit longement, on a détiré ça pour nous capable de faire une connexion pour en bas. OK. OK, qu'on a un petit passage là. On a un petit passage là. OK. OK, la même mettre juste comme ça. M'a commencer bobiner là tout. OK. OK, kounya là. Ça n'a fait, m'a connecté ça dans ça. OK, m'a connecté là comme ça. Et puis m'a bien fait jonction ça. On prend ça quand isolant thermique solide tout, c'est pour éviter que fil la boule, pour éviter que isolant pas faire la fumée tout. OK. OK. Donc ça me finit là, m'a entré tête là.
ça encore, m'a pris bobine tête fil là encore. Kounya là, m'a pris un petit morceau isolé, m'a pas trépas en bas, ça pour le capable isoler l'autre fil qui passait en bas là, d'accord? Ok, on a fait isolant pour ça. Faut que nous prenions des précautions avec isolant pour ne pas craser parce qu'il est très sec. Il est vraiment vraiment sec. Faut que nous prenions des précautions avec lui pour ne pas craser, d'accord? Ok, on a entré là-dedans. On va entrer dans le tuyau. Ok. Ok, quand on a pris le temps, quand on est là, nous pourrons le faire. Quand on est là, nous pourrons le faire. Nous pourrons le faire. Système triac là qui pour réduire, qui pour contrôler la tension qui pourrait le joindre. D'accord? Triac, ça c'est un triac qui consomme jusqu'à 10 ampères. Ok, 10 ampères. On va prendre le BTA 10 et puis 10-600B. Donc, il recevra 10 ampères, il est capable de consommer jusqu'à 10 ampères et puis il prend tout jusqu'à 600 volts. D'accord? Là, nous avons, on va regarder le diagramme là, nous gagnons. On regarde le diagramme là, nous avons un petit capaciteur qui est venu dans le petit triac pitié. Petit triac pitié, on va prendre le numéro 1, c'est BD3. Ou bien quoi c'est BD3, on croit comme ça, soit une ou l'autre. Ok, on va prendre comme ça. Ok, donc ça. Absoudre ça là et puis pied petit triac là pour aller dans ça non bon dans ça et puis l'autre bois après aller là. Donc quand ça t'a pas gain polarité, si triac ça t'a pas gain polarité, mais sauf que pas oublier bois ça c'est inan, bois ça c'est gechlan, OK? Et puis bois ça c'est out là, OK? OK, c'est 104J et puis 103, 104J et puis 103, OK? Donc qu'on y a là ça. Donc triac ça on capable souder le pio. Ou bien ka seulement recasser pin nan comme ça et puis me voyer le vin chita là comme ça. OK. OK. Après ça on gagne potentiomètre là.
Pendant ce mètre-là, c'est les valeurs résistance diminuer, donc la augmenter tension qui peut aller sous hydrogène tout. Donc, on y a là, on prend pinza avec pinza, parce que si nous prenons la position ça, si nous prenons comme ça, les nous ouvert, donc valeur résistance la augmenter, donc c'est réduit, la réduit tension qui peut aller sous ça. Donc, on prend pinza avec pinza, d'accord? En face, on peut virer dans le bois à droite. Si nous mettons dans l'autre sens, c'est à gauche la fait, c'est à gauche la fait mouvement. Résistant et potentiomètre là pas gain polarité, c'est même genre avec presque toute composante observée là pas gain polarité, pas polarisé, donc c'est une clague. Dès pour nous garder côté le tombé à bien, c'est une clague côté le tombé à. Quand on va prendre une résistance en 4.7 kΩ jaune mauve rouge. OK, jaune mauve rouge or. Il m'a dit 3.9, même pas 3.9, pas de problème. Comme il a sous potentiomètre, potentiomètre là, je reste là. Ok? Donc ça a connu la sorti dans le pin mi-temps encore. Donc on connaît pas tout le monde qui a fait ça, même pas fait vidéo pour tout le monde, tout c'est juste pour technicien, monde qui gagne monde connaît qui a difficulté pour joindre un hit gagne acheter et les autres si je viens acheter ils vendent bien cher. Donc c'est ça que fait me compter faire vidéo parce que moi même tout me compte dans les besoins. Donc moi quand ouais problème que me connaît gagne, c'est ça que fait moins faire vidéo me capable partager ensemble avec nous. Même connaît pas tout le monde qui a fait parce que gain quelques composants a besoin, il m'a dit fort qu'on est déjà. Et je pense que un jour comme je vais faire tout, mais pour le moment, c'est technicien qui est capable de faire le système. Ça, okay? Donc, on peut faire un petit genre très classique. C'est une façon pour capable chita pour ne pas barrer avant de passer à trop. Donc, c'est une façon pour capable chita normal. Et puis, ça me positionner dans la place li, très rapide. Ok, kounya madame, je prends ça. Je prends ça. Et puis, je mets le pin ça plutôt parce que l'autre pin là. N'a pas fait un test pour nous voir comment ça y est. Est-ce que ce système ça est bon ou bien pas bon? Faut que nous connaissons. On met le con ça convenablement. Et puis après, on descend le potentiomètre là à 0 et puis n'a essayé pour nous voir ça là-bas. N'a pas essayé de monter parce que pour consommer. OK, là. On va le faire effet sur lumière. Il fonctionne normal. Ok. Bon, montrez-nous. Je vais mettre le clamps dans un bord dans ça. Je vais mettre le clamps dans un bord. Je vais mettre le clamps dans un bord et puis mettre le sous ampérage AC. Ok. Là, le sous mini ampère. Je vais mettre le sous ampérage. Il tombe sous DC. Je vais mettre le sous AC. Ok. Et puis, je vais prendre le petit volume pour nous. Ok? Ok? Là, le balance est à 3 ampères. Je vais augmenter le toujours. Ouais, il augmente plus. La monter, la monter, la monter. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. Soit là, bien regardé là pour un tube là qui est en rouge. Ok? Les gars, tu as voyé la fumée sortie. Ok? Voilà. Donc, c'est comme ça que ça va fonctionner. D'accord? Ça va être très chaud, ok? Ça va regarder pour la pousser la fumée sortie. Ok, qu'on a nous été parti finalement pour l'Algérie. Ok, ça m'est mieux. Donc moi t'as fait ensemble avec condensateur sa résistance là et puis condensateur et puis diode. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'ampérage pour le marché finalement normal. Donc moins prend de préférence. Un chargeur téléphone, ok, un chargeur téléphone qui c'est 5 volts, qui c'est 5 volts. Moi prendre des références et puis me prends un petit board qui souligne, un petit board power supply là, moi utiliser le plutôt, ok. Donc c'est avec les fins de marché là, d'accord. On observe avec le plutôt pour nous capables, de mettre sur le gun là, d'accord, amis.
OK. OK, m'a déconnecté plug là sous lui. Là c'est in, là c'est input là. OK, qu'on y a mettre dans la même position ensemble avec ça pour que il va pas être trop gros. M'a retirer port USB hein, parce que on pas besoin. OK, m'a souder ça là comme ça. Ça c'est alimentation input power supply et c'est alimentation power supply là. On va faire au fond seul, on va mettre en parallèle. OK. Donc il y a un plug là à venir là dans tout directement, d'accord? Et même absous de l'autre bob l'autre pin l'autre plug l'autre bob plug là dans bord ça me dit nous considérer comme in là. OK, absous de là ça. OK, OK, m'absous de ça dans l'autre bord in là, dans l'autre bord in par ce point là. Il m'a venir dans même ça dans bord l'autre bob plug là ensemble avec lui, d'accord? OK, qu'on va arranger pour capable chita comme ça, en façon capable pas très simple. OK, OK, qu'on a besoin boutio ça. OK, boutio ça c'est lui même que m'va mettre ça chita en dedans. OK, m'va mettre ça chita en dedans, d'accord amis mio. M'va couper pour me faire forme normal, m'capable mettre le. M'a prendre longueur ça parce que m'va veut ni trop longue pour ni trop court pour de quoi l'air gagne n'a chauffer pour pas déranger tiyo. M'a prendre longueur ça comme ça et puis pour ça parce que ça va chita là comme ça et puis fin là avant l'air. OK, m'a couper là comme ça. M'a chauffer ça avec l'autre gagne que m'te fait déjà, m'a capable faire un raccord. OK, si vous voulez faire raccord, vous pouvez utiliser un tuyau qui est plus gros. Ça c'est un tuyau pouce ou même vous pouvez utiliser un tuyau qui est plus gros. OK, vous pouvez faire sans problème. Mais moi je voulais faire avec on monte le fond partie fermé et puis on partie pilage. OK, même j'ai déjà fait ça. OK, me faire ça comme ça et puis m'a cagé ça, n'a cagé ça net. M'a cagé même pas oublier que me font petite trace, mon tracé pour que me fait ça passer en dedans sous mes ça. OK, m'a cagé. M'a font petit fond ça en façon pour capable entrer plus bien. OK, on fait deux ou trois côtés. OK, qu'on en a fait ça rentrer dans ça. OK. Donc moi fin tracer puis me font petit tout en mi-temps, après ça me fend lui même, j'aime fend sous côté ça et puis moi cargé. Donc son façon pour capable entrer, me capable bien fermer pour me faire au serrer, d'accord?
Ok, quand il y a fin bien jointé comme ça, le fin jointé normal, quand il y a là, je vais faire ça pour le mesi bouche ça, ok? Pour le cas entrer dans ça, ok? Quand il y a après soudé ça, on a placé au côté haut, ok? Ok! Ok, bien avant que je m'entre dans le tuyau, bon, je vais te rappeler pour nous faire, il y a besoin d'un séchoir. Donc, séchoir, c'est quoi? Il y a un point qui est bobiné dedans. Isolant thermique là et puis passer dans tuyau ça et puis on a besoin d'un power supply et charger téléphone yo donc pour on capable faire fin dans virer après ça on a besoin un système ça tout qui c'est pour contrôle qui c'est pour contrôle qui pour régler degré Celsius là donc c'est une cap régler degré chaleur pour pas gagner trop chaleur pour capable mettre dans niveau que vous voulez après ça on a besoin potentiomètre pour capable virer et puis on a besoin un plug pour nous connecter on a besoin fin dans tout on a besoin de calcio tout ça et puis tout c'est ça, en gros c'est ça. Donc on a nous pral entrer pour que nous capable de chérir les bagages, d'accord? Voilà. Ok, bon, on a le fin passé pour dans ça. On a pas entré ça en place convenablement. Ok, moi entre. Ok, on entre ça en place là. Ok. Donc ouais, ça chita là, sans problème. Il touche chita pour contre lui. Ok, quand on a besoin de personne tout pour faire tête ça sortir pour capable contrôler le qui besoin contrôler sans problème, d'accord? Vous côté là. N'a sous des fenêtres dans la place là. N'a sous dans condensateur out là et même tension qui aller dans port USB. OK. Donc quand a avant que me fin monter, bon faut petit plugger. Pour être capable de vérifier pour moi comment ça est, d'accord? Je vais plugger. Ok, ça a marché. Ok. Encore un dingue de là, on va voir le rouge. Ok. Je vais quitter le top parce qu'ils vont pas sur lui. Je vais débloquer. On a la mettre fin dans chita. Alors bon ça c'est le pousser vent. OK, ouais, flèche la fait comme ça. Donc c'est lui qui est en bas, d'accord? Ok, on a juste fait un petit test qu'on y a. On a vu qu'on y a vent arrivé. Ok, donc on a bien vent sur lui. On a fait un petit check. On va dire combien de degrés il y a. Il y a 65 degrés là, donc on a fait un petit toujours. 77, 129, 169, 190, 200. Ok? 245, là, on suppose commencer à faire un normal. Ok, voilà, ok, 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 la 300 là, malgré ça la monte toujours. degrés 400. Ok, là la fond est normal, ok?
Si par exemple, je veux démonter un composant sous bord de ça, donc je n'ai pas de problème pour me démonter là. Ok, là je vais démonter le normal comme n'importe là. Ok, ok, sans problème. Ok, après baisser, après le baisser, après le descendre très rapide. La descend là parce que je baisse la température, ok? Je vais remonter encore. Ok, là le balance est jusqu'à 500. Ok, 600 degrés. Ok, mais il n'est pas conseillé pour nous dire sous gros vitesse. C'est ça qui fait une descente. Parce que ou gen de, depuis cette préparation, il y a des chalets, ça n'a pas trop besoin. Yo. Ok, donc dans le niveau ça là, il est normal. Donc nous allons passer un petit silicone là pour capable bien boucher ça, pour capable bien boiter vent pour le voir devant et puis pour capable fonctionner sans problème. D'accord, là m'a contourné ça avec glue gun parce que pour capable bien jointer pour tout vent car le devant, parce que s'il pas joint vent il était concentré, l'a chauffé tiroir, l'a chauffé résistance là jusqu'à ce que il brûle tout. OK, parce que depuis le fort et vent pour venter pour chaler à pas arrêter concentré pour le pas bouler, d'accord. Donc c'est ça qui fait tout, faut que nous éviter pour ça paraît de boucher en côté ou le pas coller, pas déposer le concentré tout. OK, ok, donc quand y a tout vent, on va aller directement devant. Quand y a ça lui-même, on va le brasser un petit époxy pour me faire contour pour le capable bien boucher. Ok, ok, on va faire mélange là.